Ok, on en est déjà à la deuxième vidéo de cette mini-série de l'OSD en action. Et aujourd'hui, toi et moi, on va parler créativité. Je pense sincèrement que c'est le plus grand avantage d'avoir un outil neutre et très simple et réduit en fait à son essence, c'est que du coup... Ça, c'était un gros camion. C'est que du coup, on a une utilisation qui peut être illimitée, en fait, de l'outil. Une utilisation pour laquelle j'avais vraiment très hâte de recevoir l'oracle sur demande au moment où j'en étais à la phase de création. C'était pour tout ce qui touchait à la créativité, au maintien de la créativité, à la recherche d'inspiration notamment. Quand je parle de créativité, je voudrais qu'on soit sur la même longueur d'onde, toi et moi. Parce que je pense que généralement, quand tu entends le terme créativité, ce qui te vient à l'esprit, c'est la peinture, le dessin, la poterie, la broderie, le tricot, j'en sais rien. Ou le fait en tout cas de créer quelque chose avec ses mains. Et oui, ça fait partie évidemment du champ créatif, mais quand moi je parle de créativité, je parle de créativité au sens large de, du simple fait de poser l'action, de créer tout simplement. Pour moi, avoir une vision de sa vie dans 5 ans et mettre en place des objectifs pour atteindre cette vision-là, c'est de la créativité. Organiser, planifier et mettre en place toutes les actions nécessaires à l'organisation d'une fête d'anniversaire pour ses enfants, c'est de la créativité. Construire une garde-robe qui nous ressemble par rapport à notre authenticité, l'image qu'on a envie de donner aux autres, au monde, nos goûts, notre confort, ce qu'on a envie de mettre en avant dans notre dressing, c'est de la créativité. Cuisiner le soir et regarder ce qui se trouve dans le placard à provisions, dans le frigo, et de se dire bah, « je fais quelque chose de nouveau que j'ai jamais testé avec ça », c'est de la créativité. Donc tu vois que quand je parle de créativité, je l'amène au sens très large du terme. En quoi est-ce que l'OSD, l'oracle sur demande, peut être un support en fait à ma créativité, en tout cas comment moi je vais l'utiliser? C'est sûr que moi, dans mon quotidien, le château, l'univers des sorciers est présent constamment. C'est-à-dire que ce soit dans les contenus que je propose, que ce soit surtout en fin d'année là, hein, c'est... Je veux dire, pour moi, le château, il est présent tout le temps. Je veux dire, même dans mon travail d'introspection, dans mon travail de l'ombre, dans mon travail, tout le travail de l'ombre, par exemple, que je peux faire aussi en lien avec le contenu de V-Bataille. Tout ça, en fait, a un lien avec le château très fort parce que c'est comme ça, ça fait partie de moi. Ce qui veut dire que c'est très facile pour moi d'amener l'OSD dans mon quotidien, même quand il s'agit de choses qui, a priori, ne nécessitent pas forcément l'OSD. Et je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de l'OSD qui se sont attribués aussi l'outil de cette manière-là. Je vais donner un exemple parce que ça m'avait marqué. Je ne sais plus ton nom. Peut-être que si tu passes par ici, tu pourrais commenter cette vidéo et dire qui tu es. Mais j'avais vu un compte Instagram où je pense que c'était une dame qui mettait en place un challenge genre pour se sentir mieux chez soi ou quelque chose comme ça, dans cette vibe-là. Et elle utilisait l'oracle sur demande pour donner des pistes d'exercices à faire pour toute la semaine, pour ceux qui suivaient le challenge. Et ça m'avait fait rire parce qu'elle avait tiré la carte de la grosse dame, par exemple, et elle avait dit « Ah ben, c'est l'occasion de faire du tri dans ta garde-robe et de te séparer de ce qui ne te va pas, par exemple. » Merveilleux. Tu vois, en fait, à partir du moment où l'univers te parle, tu peux t'en servir pour développer, nourrir, inspirer ta créativité, quel que soit le mot ou la pratique que tu mets derrière ce mot. Très sincèrement, là, moi, je vais te parler de créativité en lien avec ce que je m'amuse à créer pour l'instant. Hein. On est le mardi 8 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Et le mardi 8 novembre est consacré au brainstorming, à la mise en place, à la création du début à la fin du challenge tarologique de l'Avent à Poudlard saison 4. Bon, la vidéo d'annonce est déjà sortie au moment où tu regarderas cette vidéo. Si tu ne l'as pas vue, j'essayerai de penser de te la mettre en barre d'infos, sinon elle n'est pas très loin dans les vidéos qui précèdent. Mais cette année, en décembre, on est déjà à la saison
4 du calendrier tarot logique de l'Avent à Poudlard, qui est un challenge tarot que j'anime depuis 2019 déjà et que j'adore animer. Et je vais créer aujourd'hui le plan et vraiment le fonctionnement global de ce challenge. Et je vais me servir de l'OSD parce que oui, cette année, j'ai un outil qui va m'aider, et ça va être tellement plus simple, de m'aider à planifier en fait tout ce qui touche au calendrier de l'Avent à Poudlard grâce à cet oracle. Donc la première chose que je voudrais te dire, c'est que déjà j'ai passé, je crois qu'il doit être 10h, un peu plus de 10h du matin, voilà, j'ai passé la première partie de ma matinée à regarder les vidéos de challenge précédents pour me remettre un petit peu les idées en tête, le fonctionnement, les informations qui doivent être présentes dans la vidéo. Tu vois, j'ai pris des notes ici dans mon journal, du coup, de tout ce que je devais dire pour le calendrier de l'Avent. Et là, j'en suis à la phase, tu vois, j'ai écrit le titre, voilà, liste des thématiques de 1 à 25, puisque c'est un calendrier de l'Avent, donc on part du 1er au 25 décembre, évidemment. Et là, c'est là que l'OSD va faire son entrée dans ce travail de création, de mise au monde du challenge saison 4. La première chose que je vais faire avec l'OSD, donc je reprends mon petit sac d'Hermione, la première chose que je vais faire avec l'oracle sur demande, c'est que je vais en fait utiliser l'oracle pour déterminer toutes les thématiques qui ont déjà été abordées dans les saisons précédentes. Parce que, évidemment, dans les saisons précédentes, j'ai déjà abordé... En fait, les thématiques du calendrier de l'Avent, ce sont des mots aussi en lien avec la saga. Donc, en gros, l'oracle sur demande va vraiment m'aider à faire ça parce que je vais pouvoir mettre de côté les cartes qui sont en lien avec les thématiques déjà abordées. Je trouve ça super intéressant parce que je vais visuellement avoir un outil de « Ok, qu'est-ce qui a déjà été fait ?» et que je ne dois plus aborder dans cette saison 4, parce qu'évidemment, le but, c'est d'avoir des thématiques différentes. Et ça, c'est la première partie de mon travail. Et je vais faire ça maintenant avec toi. Je vais prendre mes publications des trois challenges précédents et je vais mettre de côté les cartes au fur et à mesure que je les rencontre. Voilà, voilà. C'est parti. Bon, je viens de finir, du coup, de mettre de côté les cartes en lien avec les trois challenges précédents. Donc là, il y a 75 cartes. Alors, pour être tout à fait honnête, il y en a 74 parce que Crash Limas ne fait pas partie de l'OSD, de l'oracle sur demande, tout simplement parce que je pense que ça peut être intéressant de te le préciser. Crash Limas n'est pas écrit dans le livre. Ce n'est pas une formule que l'on peut retrouver dans les écrits de base de J.K. Rowling. En fait, Crash Limas est quelque chose qu'on trouve dans les films uniquement. Alors moi, je l'avais utilisé dans le challenge, dans le deuxième challenge, parce que c'était un terme un peu marquant en fait, de ce deuxième tome. Mais finalement, il n'apparaît pas dans les livres et tu verras que dans l'Oracle sur demande, il n'y a que des mots qui apparaissent dans les livres. C'est comme c'est spero patronum et pas expecto patronum. Dans le film, c'est expecto patronum, mais en vrai, la formule, c'est spero patronum. Donc voilà, ça, c'est l'intégralité des cartes qui ne doivent pas se retrouver, du coup, dans le challenge de la saison 4, parce qu'elles ont déjà été exploitées dans les challenges précédents. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, au fur et à mesure que je passais en revue les 323 cartes de l'oracle, c'est que j'ai déjà mis de côté quelques cartes qui pourraient convenir pour cette quatrième saison. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre vraiment les cartes qui me paraissent indispensables et je vais voir combien j'en ai et comment je vais pouvoir broder en fait autour avec les autres cartes et voir un petit peu quels sont les personnages et les éléments que j'ai vraiment envie d'introduire dans ce challenge.
C'est rigolo parce que quand j'ai passé en revue du coup les 323 cartes dans cette optique de voir ce qui avait déjà été exploité dans les challenges précédents, je me suis dit qu'il y avait quand même des lieux, etc., que je pourrais plus exploiter maintenant. Parce qu'ils n'apparaissent par exemple que dans le premier tome et ça aurait été vraiment cool de les exploiter, genre le placard sous l'escalier ou le 4 private drive par exemple. J'ai pas du tout exploité ça, je pense, je sais pas moi, le... enfin j'ai vu plusieurs trucs comme ça en passant en revue le jeu et je me suis dit ah tiens, ça aurait été vraiment chouette de le mettre, mais bon au final aucun regret parce que de 1 j'avais pas l'oracle sur demande et de 2 surtout tout ce qui se trouve dans les challenges sont importants, donc faut pas oublier qu'il y a que 25 que c'est déjà pas mal, mais il y a que 25 thématiques à choisir, donc d'office il y en a qui passeront à la trappe, c'est inévitable. Du coup je continue, je vois par exemple que coupe de feu ça me paraît indispensable à garder. Ensuite je vois les trois écoles. Je pense que Beau Bâton et Durmstrang, je vais garder. Je sais pas si je rajoute Poudlard ou pas. On verra bien. Mais ça peut être sympa de mettre Poudlard quand même, vu que les trois écoles sont en confrontation dans le tournoi des trois sorciers. Alors, je pense qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à mettre, genre comme la plume à papote de Rita Skeeter qui apparaît pour la première fois dans le tome 4. Je pense notamment aux épreuves, donc les trois épreuves finalement qui constituent une partie un petit peu spéciale du challenge cette année. Hein. Si tu as regardé la vidéo, tu le sais, mais en plus de la Coupe des 4 maisons à gagner, il y a le tournoi des trois sorciers qu'on peut faire en parallèle. Enfin, en parallèle, il y a trois épreuves supplémentaires pour les vaillants parmi vous. Et du coup, il y a les trois épreuves, il y a le Magara Point, il y a l'épreuve du labyrinthe et l'épreuve du lac. Donc, ce sont des cartes, du coup, que je vais sortir parce qu'elles doivent être dans le challenge pour les tirages plus conséquents du tournoi des trois sorciers. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre ? La branchiflore. Je pense qu'elle apparaît pour la première fois dans ce tome pour permettre à Harry de respirer dans l'épreuve du lac. Donc, ça, je vais la garder. En termes de personnages, il y a évidemment Fleur de la Cour et il y a... Victor Krum que je vais sélectionner, ça c'est sûr et certain. Ensuite il y en a d'autres qui sont importants comme Rita Skeeter, mais j'ai quand même la plume à papote, donc pour moi c'est pas non plus le plus intéressant. On est quand même dans le tournoi des trois sorciers, donc ça je vais le garder. Cédric Diggory est également un personnage que je garde, c'est un des trois champions, donc d'office je le mets. Je ne mets pas Harry parce que Harry est déjà apparu dans le premier challenge. Alors un autre personnage que je trouve super important, c'est évidemment Alastor Maugrey, l'Aurore. Donc je vais le mettre également. Et puis je pense que je vais mettre l'Avada Kedavra parce que c'est la première fois. Je me demande si je ne vais même pas clôturer le challenge avec l'Avada Kedavra. Enfin quand même, ça serait un peu dur, hein. Mais l'Avada Kedavra, c'est la première fois que Harry voit quelqu'un mourir sous ce sortilège-là, sous ses yeux, avec Cédric Diggory. Alors après, donc ça me fait combien de cartes là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes. Ce qui veut dire qu'il m'en reste 9. Pour graviter en fait autour de ces thématiques que je juge comme étant principales en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider du tome 4 maintenant. Je vais passer en revue un petit peu le sommaire pour me remettre un petit peu l'histoire en tête. Puis je vais feuilleter un petit peu de temps en temps, vraiment pour voir à quel point certaines thématiques me sont peut-être passées sous le nez quand j'ai trié les cartes, le paquet de 323 cartes. Donc c'est parti, je fais ça maintenant. Je viens de voir, et c'est là que c'est intéressant d'aller fouiller du coup dans le tome, que en fait la pancine, elle intervient pour la première fois dans le quatrième tome. Moi je pensais que c'était plus tard. Donc j'étais assez étonnée en fait de voir la pancine. Mais en fait c'est la fois, je pense, je vais aller voir, 519. Je pense que c'est la fois où Harry en fait
regarde dans la pancine sans avoir été convié. Ouais, c'est ça. C'est quand il voit le procès de Barty Croupton. Alors pareil, Barty Croupton, c'est aussi un personnage important, mais là, je pense que j'ai vraiment un bon équilibre, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un équilibre entre les personnages, les lieux, les concepts, etc. Et donc là, je pense que j'ai mes 25. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23? Attends. Ah bah oui, j'ai mal calculé tout à l'heure. Il m'en fallait pas 9, il m'en fallait 12, puisque j'en avais... Non, 11, puisque j'en avais 14, donc je peux encore en choisir 2, en fait. Alors là, j'ai le choix entre salle de bain des préfets, Maxime Olympe, Cho Chang, Strangulo ou Igor Karkarov. Moi, je partirais sur le Strangulo. Je pense que le Strangulo, c'est la première fois. Hein. Et la salle de bain des préfets. Parce que dans la salle de bain des préfets, il y a un truc un peu... qui pourrait parler de self-care un peu. Je sais pas. Ça me parle bien. Donc là, normalement, j'en ai 25. Évidemment, hein, si je calcule pas bien. 25. Donc là, comme tu l'as vu, je me suis servi de l'OSD dans un projet, c'est vrai, qui réunit très fort Harry Potter, enfin, où Harry Potter est central. Mais en tout cas, t'es pas obligé, toi, de devoir créer un challenge Harry Potter pour t'en servir de manière créative de cet oracle. Comme je te disais, il y a plein de façons. Par exemple, moi, j'ai été tentée de le faire, mais j'ai pas pris le temps de participer à ça cette année. Mais ça m'arrive parfois de participer au Inktober. Tu sais, c'est ce challenge qui se fait tout le mois d'octobre, où les artistes, en fait, vont dessiner sur base d'une thématique, d'un mot, en fait, généralement, pendant tout le mois d'octobre. Et il y en a plein qui font des listes. Il y a la liste officielle du Inktober, et puis il y en a plein qui font des listes un peu parallèles. Ben, ça pourrait être super cool, en fait, de tirer une carte de l'OSD et de s'inspirer de ça pour dessiner, par exemple, pendant tout le Inktober. Ça, c'est quelque chose de super cool. Je sais aussi que parmi les propriétaires de l'OSD, il y a des tatoueurs qui se servent peut-être de l'outil comme d'un outil d'inspiration. Bref, en fait, tu peux faire ça. Tu peux utiliser l'OSD de la manière vraiment la plus créative possible. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un outil neutre qui te permet plein de choses. Sky is the limit, comme j'aime le dire. Mais donc là, tu as juste eu la démonstration de comment moi, je peux l'utiliser, notamment dans le cadre créatif de mon travail, notamment. Sur ce, je te laisse. Je vais ranger tout mon bazar et mettre au propre ma liste de thématiques pour le calendrier de l'Avent, pour donner tout ça à Luc, mon assistant qui va s'occuper du graphisme cette année. Et puis, bien, je te dis à très vite pour la vidéo numéro 3. À très vite.